Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Je tiens encore à rappeler aux personnes qui sont un peu dures de l'oreille que si vous voulez entendre la vidéo avec une voix normale, il faut aller sur l'autre chaîne qui s'appelle Télékiff. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a des cerveaux qu'il faut un peu secouer, hein, donc voilà. Sinon, c'est pour les autres qui aiment bien cette chaîne, vous restez ici, sinon vous allez sur l'autre. Bon, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Louis Kretschmann était content parce qu'hier, il y a plein de gens qui ont téléphoné, il n'y a eu qu'un seul gagnant. Le maître de midi, bah, bientôt il va voir sa tuture, donc il était venu avec son copain Geoffrey qui avait ouvert un restaurant au Costa Rica. Donc je voulais faire un petit jeu de mots avec Riri Kazaray qui portait un costard. Bah oui, le Costa Rica, mais bon, de toute façon, on mange du poids fait, donc voilà. Au coup d'envoi, la première question: quel super-héros a pour ennemi double face et le pingouin? Donc bien sûr, le pingouin, bien sûr, c'était Batman. Après, vous aviez Françoise, qui était super, super génial, qui avait écrit à Brigitte Macron. Moi aussi, je vais écrire à Brigitte Macron, mais j'en parlerai plus tard. Dans le monde, les gamers représentent plus ou moins de 50% de la population mondiale, donc c'était moi. Après, vous aviez le Trump, très sympathique, Laurent, qui était venu avec sa famille. Quelle chanteuse nous fait danser sur son tube Magic, qui a sorti récemment? Donc c'est bien sûr, c'était Kylie Minogue. Après, vous aviez Rémi, selon une étude très sérieuse, une panne de photos copieur sur 5 est dû à des gens qui s'assoient dessus pour faire des photos du petit cucu. Quel chanteur est à l'origine du collectif très organisé qui réussit de qui réunit de nombreux rappeurs marseillais? Donc bien sûr, c'était Jules. En septembre dernier, quelle célébrité a donné sur Twitter un numéro de téléphone afin que les Américains lui envoient un SMS? Donc bien sûr, c'était Barack Obama. Sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge au duel. Elle a pris Rémi en duel, qui a eu une question tordue. Qu'est-ce qu'il y a pour titre Grey's Anatomy? Regardez comment c'est écrit, Grey. Eh ben oui, donc on aurait pu penser que c'était la série américaine, et en fin de compte, c'était un livre de référence. Donc elle était contente, Françoise. Après Françoise, Quentin et Laurent sont trop de coups par coup. Bien, c'est Laurent qui est passé donc deux fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge au duel. Il a pris Françoise en duel. Oh, bon, oui, elle a pris Françoise, de toute façon, qui est tombée sur une question assez simple. Le Français est devenu champion olympique du saut à la perche à Londres en 2012. Donc bien sûr, c'était Renaud Lanivelli. Après donc Françoise et Quentin, très Quentin, mais Quentin donc se retrouvaient en coup fatal. Et puis ben Françoise a beaucoup passé et repassé. À la fin, elle a pépère, elle a perdu par rapport au coup de maître. Alors les questions de bébé: quelle expression désigne à la fin un café insipide et une chose sans importance? Donc bien sûr, c'était du pipi de chat. Quelle boisson à bulle est certainement liée à l'ambiance des pubs anglais? Donc bien sûr, c'était la bière. Quel accessoire de mode il a la lavalière? Il a dit une pochette de soirée, c'était une cravate, donc il a perdu à zéro. Quel est le sous-titre de l'émission de TF1 Famille Nombreuse? Donc bien sûr, c'était la vie XXL. Et à la fin, quel est le prénom du rappeur L'Homme Pâle? Donc bien sûr, c'était Antoine. Quand je dis bien sûr, je savais même pas moi, donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors, comme on peut voir, c'est une nouvelle étoile. Donc sur la droite, vous avez une œuf, le fleur. Moi, ça bon, je pense que c'est un magnolia. Mais magnolia, comme faire les magnolias. Bon, passons.